Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie, cette idée de vidéo, elle m'est venue tout simplement quand je préparais ma liste de Noël. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore comme box de couture? Du coup, j'ai fait un petit tour et ce petit tour m'a inspirée d'en faire une vidéo et de vous présenter tout ce que j'avais trouvé. Évidemment, pas de révolution hein, dans cette vidéo parce que je pense que vous connaissez beaucoup des choses que je vais vous présenter. C'est juste un petit récap, un petit rappel et ça nous donne l'occasion de reparler box couture. Si vous me suivez régulièrement et depuis longtemps, vous devez savoir alors que sur cette chaîne, j'ai longtemps présenté aussi des box couture que je recevais. J'avais présenté les box Joli Lab et les box Majam. Alors à l'époque, c'était Monasso, c'était pas Majam. Je crois que j'ai présenté aussi la box Crafting Box. Voilà, c'est ça. Il me semble que j'ai fait le tour de ces trois-là. Et je vous encourage à aller regarder. Pour Majam et pour Joli Lab, j'en ai fait plusieurs des vidéos sur le sujet parce que je déballais avec vous la box que je recevais. Là, ça fait vraiment très très longtemps. Je vous avais dit, je mettrais bien ça sur ma wishlist. Enfin, je l'ai mis sur ma wishlist et je m'en payerais bien une. Et finalement, je suis passée à autre chose et je crois que c'est plutôt raisonnable étant donné que mon envie de coudre est pour l'instant vraiment au ras des pâquerettes. Elle est inexistante. Voilà, je vais pas faire semblant d'avoir envie. J'ai absolument pas envie de coudre en ce moment, donc finalement une box couture c'était pas une bonne idée, mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie de faire ce genre de vidéo et de le partager avec vous. J'ai sélectionné 10 types de box. Vous allez voir, à chaque fois on parle pas forcément de box surprise. L'idée c'était vraiment de trouver quelles étaient les marques qui proposaient tissu et patron dans le même packaging, donc sous forme de box, avec pas nécessairement cet effet surprise recherché chez certains. Donc la première dont je vous parle, c'est la Crafting Box. Je pense que tout le monde connaît la Crafting Box. Elle est aux alentours de 35-40 €. Je rentre pas à fond dans les détails parce que j'en ai pas le temps, clairement. J'en ai absolument pas le temps. Et puis je pense que si vous êtes intéressé, bah, vous pourrez tout simplement cliquer sur les liens que je vous mets en dessous. Donc je vous mettrai les liens chaque fois que je vous parle d'une box. Je vous mets le lien, vous allez dessus. Vous voyez à peu près de quelle taille à quelle taille et vous allez avoir possibilité de coudre le patron. Vous verrez la quantité de tissu qui est proposée, etc. Vous faites votre choix de cette manière. Je vous encourage comme ça à aller vraiment farfouiller. Alors je sais que la Crafting Box, elle marche bien et de mémoire, à chaque fois, vous avez deux patrons, mais le tissu pour coudre un seul des patrons, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis, il me semble qu'il propose aussi des offres, des prix, des réductions sur le tissu si vous voulez compléter la commande que vous avez reçue pour coudre justement le deuxième vêtement ou une autre version du vêtement que vous avez eu. À ma grande surprise, dans ma recherche, je suis tombée sur des box couture sur le site des Trois Suisses. Alors là, je me suis dit, c'est bizarre. J'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois, mais en fait, il y en a plein. Et la marque, c'est My Dress Made. Je ne sais pas si vous connaissez. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, la box, elle est quand même à 60 €, mais dedans, vous avez toutes les fournitures nécessaires, plus le patron qui vous est proposé. Vous choisissez le patron que vous voulez. Vous allez voir, il y a plusieurs box. J'ai même vu qu'on vous fournissait le thermocollant. Donc ça, c'est plutôt bien. Quand il y en a besoin, on vous le fournit. On vous fournit le passepoil, on vous fournit l'élastique. Enfin, selon s'il y a besoin dans le patron, ce sera fourni. Plus le tissu, j'ai cru comprendre que les tissus c'était des made in France, donc un petit plus pour certaines peut-être qui fera la différence. Donc allez voir, je vous mets le lien d'une box, mais ça devrait quand même vous emmener sur les autres box de My Dress Made. Je suis tombée sur un kit de couture pour une banane et je me suis dit allez, je leur en parle quand même. C'est chez Maëly Paris. Alors le kit est quand même assez cher. Pour moi, c'est 55 €, mais alors je vais chausser mes lunettes parce que j'ai des choses à dire et j'ai zoomé là à fond. Donc il y a le patron, il y a le livret d'instructions, vous avez accès à un tuto vidéo, vous avez des tissus 100% coton revalorisés, vous avez le fil à coudre, la fermeture éclair avec un double curseur ou un simple curseur et simple curseur parce qu'il y a plusieurs ouvertures. Vous avez les boucles avec et sans coulisses, vous avez la sangle et vous avez une étiquette Maëly à coudre sur votre banane. Donc tout ça pour 55 €. Pourquoi pas? Si, en tout cas, à offrir, ça peut être une très bonne idée. Si vous connaissez une couturière qui est fan de bananes, ou si vous avez envie de vous l'offrir, ça me paraît pas mal quand même. J'ai vu un autre kit pour un sac Kaba. Il y en a pas mal quand même des kits, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, je les ai pas tous mis. Un kit pour faire un sac Kaba, et ça, c'est chez... je sais plus qui.
C'est au fil du tuto et je trouve que le kit est quand même raisonnable. C'est 25,90 € il me semble. Et dedans, vous allez trouver deux tissus demi-nattés certifiés Ecotex. Bon, tous les tissus sont certifiés Ecotex. Deux tissus coton uni, une sangle d'un 25, 1,25 m, une étiquette en cuir végétalien, plus une explication. Donc tout ce qu'il vous faut pour créer ce sac qui sera doublé. On vous dit que c'est un sac qui est parfait pour débuter, pour les débutantes. Donc c'est pareil, le prix est correct. Si vous n'osez pas vous lancer dans ce genre de projet parce que vous manquez de matière, parce que vous ne savez pas quoi choisir, bah là avec le kit, vous avez quand même peu de risques de vous tromper. J'ai mis en cinquième les box couture de ma petite mercerie. J'avais oublié qu'il faisait des box couture. Alors, les prix, c'est assez large. Ça va de 8,90 € en gros à 75-80 €. Parce qu'on passe de la trousse en allant vers le manteau et au milieu on aura des blouses, des jupes, des robes, des choses comme ça. Il me semble comme ça de mémoire qu'il y a entre 15 et 20 modèles. Je crois que c'est une bonne vingtaine, ce qui est bien, ça vous laisse vraiment du choix, y compris pour les prix et pour les modèles. Donc c'est pareil, je vous laisse aller farfouiller. Je crois que le plus cher, donc c'est le manteau. On est à 75 €. Si le patron vous plaît. De toute façon, le prix d'un tissu manteau, ça reste quand même assez cher si vous voulez qu'il soit de qualité. Alors moi, j'ai pas regardé quels étaient les tissus qu'ils proposaient, mais c'est ma petite mercerie, donc ils ont quand même plutôt intérêt à proposer des choses correctes s'ils veulent faire parler d'eux en bien. Donc je me dis 75 € pour le patron plus toute la mercerie et le tissu qui va avec le manteau. Finalement, c'est pas si cher que ça, mais c'est à vérifier si tout ça vaut vraiment le coup au niveau du patron proposé. Je vous laisse farfouiller. Moi, je dis pas c'est génial, je dis que l'option elle est plutôt sympa. Chez Couturebox, il y a pas mal de kits pour coudre des accessoires, donc notamment des sacs, des pochettes, des choses comme ça. Les prix, c'est environ dans les 35 €. C'est plutôt joli, c'est des belles choses. Donc là, il est un petit peu tard, mais je pense que c'est des belles choses qu'on peut même carrément offrir une fois qu'on les a cousues. Parce que les matières m'ont l'air jolies, le résultat présenté fini est plutôt sympa. Donc à voir si ça fait son effet une fois que c'est cousu. Ça m'intéresserait aussi d'avoir des retours. Si vous avez déjà cousu des box dont je vous parle là, ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez été satisfaite ou pas. Et si vous ne l'avez pas été, peut-être expliquer un petit peu pourquoi vous ne l'avez pas été. J'ai aussi trouvé des box chez Cousette. Alors il y a des box couture et il y a des box tricot. Je me suis essentiellement penchée là pour l'occasion sur les box couture, mais je n'exclus pas de vous faire une petite vidéo sur le même principe avec les box tricot. Parce que ça pourrait m'intéresser. Je suis toujours très curieuse de ce qu'on peut trouver. Si je trouve le temps de faire mes petites recherches, les recherches indispensables pour tourner ce genre de vidéo. Donc chez Cousette, vous avez du coup de la couture et du tricot. Au niveau de la couture, on va de 30 à 80 €. C'est pareil, c'est selon les modèles, selon les tissus, selon le métrage utilisé, etc. Donc dans la box, bah vous avez le patron et vous avez le tissu. Je n'ai pas vérifié, je ne sais plus s'il y a toute la mercerie nécessaire, mais je vous laisse vous assurer de ça si c'est un détail qui est important pour vous. Et avant de passer à la suite, on va passer à la fenêtre du calendrier de l'Avent. Donc cette fenêtre, elle contient exceptionnellement deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est un PDF à choisir chez August & June. C'est une marque que je vous ai déjà présentée dans les vidéos, notamment dans le cadre de Patron gratuit. Mais il y a de très très belles choses à acheter chez August & June. Je vous mets donc le lien en dessous, tout ce qu'il faut savoir sur cette marque, son compte Insta, sa boutique, etc. pour que vous puissiez être à jour et aller choisir tranquillement le patron PDF qui vous intéresse, qui vous fait envie. Je me tape une petite incruste parce que j'ai complètement oublié de vous dire que August & June propose justement des kits couture, ce qui est plutôt chouette, ce qui correspond exactement à la thématique de la vidéo. Et en fait, je m'en étais pas aperçue, c'est en allant surfer sur leur site plus en détail que je me suis aperçue qu'il y avait des box couture. Donc je vous laisse vraiment aller regarder. Il y a un très joli body, par exemple. Vous avez le tissu et le patron pour des prix hyper abordables. Donc si vous n'osez pas vous lancer à cause des choix des matières, c'est en général pour ça qu'on aime aussi aller vers des box, c'est pour éviter de se planter. Et bien chez August & June, vous allez trouver. Donc merci à eux de proposer des kits. Je l'ignorais, mais je trouve ça tellement raccord avec ma vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaira d'aller farfouiller sur leur site pour trouver tout ça aussi. Allez, je vous laisse avec la suite. Le deuxième cadeau, c'est un cadeau des éditions Mango.
un livre que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est un livre qu'ils m'ont envoyé, mais comme je l'ai déjà, évidemment, moi, je n'en ferai rien, je garde le mien pour l'instant. Mais celui-ci, je suis très contente de pouvoir le faire gagner. Je me suis dit que ça ferait une belle occasion de vous faire gagner un deuxième cadeau aujourd'hui. Donc, Inspiration Workwear de Lou Ripoll. Lou Ripoll, vous savez, c'est les tissus bleu tango. D'ailleurs, on reconnaît bien hein, l'inspiration des tissus bleu tango ici. Et dans le livre, il me semble, vous voyez, tout ça aussi, ça c'est vraiment du bleu tango, ces taches de peinture comme ça, enfin ces taches, façon de parler, c'est très artistique, c'est très joli. Donc ce livre-là, il est présenté en vidéo sur ma chaîne, je vous renvoie voir la vidéo de présentation si vous voulez plus d'infos. Mais en attendant, si vous voulez participer pour gagner ces deux cadeaux, donc c'est la même personne qui va gagner ces deux lots, donc le livre plus le patron PDF Auguste & June, et bien, il y a toujours la même chose à faire, m'écrire que vous participez, me dire pour quel lot vous gagnez, là il y en a deux, je vous laisse me les détailler, me dites pas je participe pour le livre et le patron, ça ne marchera pas. Et puis vous me laissez un petit smiley aussi dans votre message. Évidemment, rien ne vous empêche de laisser des commentaires. Je vais d'ailleurs rappeler que vous avez jusqu'à minuit, ce soir minuit, pour participer. Demain, il sera trop tard. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, je vais profiter de cet aparté pour vous remercier de vos commentaires, pour vous remercier de vos pouces en l'air. C'est important qu'il y ait des pouces en l'air, les filles. Je vous remercie pour votre fidélité parce que c'est quand même beaucoup de fidèles qui viennent voir ces vidéos et essentiellement des fidèles. Alors, pas que, mais vraiment essentiellement. Et puis bah voilà, merci. Allez, on passe à la suite. Parmi toutes les box couture que vous connaissez sans aucun doute, je pense que celle-ci, je ne vous la fais pas découvrir, c'est la box Anaka des Bobbin Patterns. J'ai regardé là sur leur site et il y en a une qui est en précommande de ce que j'ai vu. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais au moment où j'ai tourné, on était à cette info-là. Donc, une box qui va de 39,99 à 117,99 €. Je ne sais pas si j'ai bien tout compris. Vous aurez visiblement tout le métrage nécessaire pour coudre les pièces du 34 au 56 avec un patron pochette, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pareil, je vous laisse aller farfouiller si vous souhaitez découvrir cette box qui est en précommande au moment où je tourne, mais peut-être que ce ne sera plus le cas au moment où vous regarderez la vidéo. Bon, bref, si c'est les Bobbin Patterns, en général, je crois qu'elles ont une clientèle très fidèle. Et c'est pareil, si vous connaissez, vous savez déjà. Je vais passer brièvement, je dis brièvement, sur la box Joli Lab qui existe encore. Alors, c'est plus les box comme ils faisaient avant, comme au moment où je tournais les vidéos, quand je vous les présentais. Il me semble que les choses ont un petit peu changé. C'est des box qui restent disponibles, sans doute que ce sont des restes de ce qu'ils avaient déjà. J'ai pas plus détaillé et je vous laisse aller farfouiller. Et pour finir, eh ben on finit avec Majam, les box Majam, anciennement Monasso. C'est pareil, vous connaissez le principe. Les choses ont pas mal bougé aussi depuis que moi j'étais abonnée. Je crois que les prix ont un petit peu augmenté et les choses ont changé aussi au niveau des tailles. Il y a des choses à suivre. Vous avez plusieurs formes d'abonnement. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pareil, je me suis pas vraiment penchée sur le sujet parce que je suis pas à la recherche de ce genre d'informations, d'abonnement. En tout cas, moi je cherchais quelque chose de très ponctuel. Mais je crois que chez Majam maintenant, vous pouvez vraiment trouver l'offre qui correspond le plus à vos besoins. Je crois qu'il y a des choix entre une tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois. Je crois qu'il y a des choses comme ça, des choix qui vous sont permis de cette manière. Les liens sont en dessous. Vidéo qui se veut courte, évidemment, puisqu'elle est dans le cadre du calendrier de l'Avent. Je vous laisse aller piocher toutes les infos en barre de description. Et puis, comme d'habitude, depuis qu'on a repris le cours presque normal de ces vidéos, et ben moi, je vous dis à demain. Ciao les filles.